On voit beaucoup de nids de poules, des dénivellations inquiétantes, des cracks dans la chaussée. Andy, pour souligner donc ce triste constat de fait, CA Québec revient cette année avec son palmarès des pires routes de la province. Exact. Et vous savez, Michel, on parle en direct du centre-ville de Montréal. Vous le savez, vous avez une auto à la maison. Vous venez au centre-ville. Il ne faut pas chercher trop longtemps. Et vous trouverez de ces rues, de ces routes parfois en mauvais état. J'ai envie de dire en très mauvais état. On est pour vous situer sur de Bleury actuellement, non loin de Sherbrooke. Et il y en a quelques-uns ici, des trous parfois très imposants, très gros. Cela dit, donc revenons à CAA Québec. Vous avez raison, c'est le début, Michel, de cette campagne annuelle. Et j'ai envie de dire, c'est devenu en quelque sorte une tradition. Parce que depuis quelques années, on vous invite à voter à la maison où se trouve, selon vous, la pire route du Québec. Alors, c'est possible de le faire jusqu'à la fin avril, plus exactement au 23 avril. Ça met ensuite une sorte de pression, là, parce que CAA Québec, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un suivi auprès des villes, auprès du ministère des Transports aussi. Vous allez voir un tableau apparaître à l'écran, Michel. On vous donne quelques exemples. Réparer un véhicule endommagé, ça coûte cher. Un simple trou peut faire grimper la facture très rapidement. Hein. Ça peut grimper en flèche en ce qui a trait aux réparations. Vous avez quelques exemples des pièces qui sont dispendieuses. Ajoutez à ça, évidemment, le coût de la main-d'œuvre. Ça non plus, c'est pas donné. On va écouter David Marcille. Il est porte-parole du CA. Je vous dirais Gatineau est une région qui est très, très souvent dans notre top 10 année après année. Donc, on peut donner l'exemple du boulevard de la Gap à Gatineau qui a été très longtemps dans le top 10. Elle a finalement été repavée. À Montréal, c'est la fameuse rue Notre-Dame, Christophe Colomb aussi, qui sont revenus très souvent. On a de très beaux exemples de routes qui étaient dans le top 10, justement, qui ont eu des liftings complets. Là, je peux parler du boulevard Gouin à Montréal, qui a eu plusieurs millions en investissement. On a abaissé la limite de vitesse, ajouté une piste cyclable. Et vous voyez cette publication, je termine là-dessus, Michel, sur le réseau social X ce matin, les investissements pour 2024 à 2026 de près de 7,7 milliards annoncés dans les réseaux de transport routier, maritime, ferroviaire et aéroportuaire de toutes les régions du Québec. Une annonce qui a été faite un peu plus tôt aujourd'hui. Et sur ce 7,7 milliards tout près, vous avez un peu plus de 1,5 milliard consacrés à l'état des chaussées au Québec. Merci, Andy. Salut. Au revoir.